Alors moi j'ai fait un puzzle de 5000 pièces et ils pensent que je vais me casser le cul à en faire un de 3000 pièces. Quelle bande d'idiots, je te jure, c'est là. Bon allez, poubelle. M'en débarras. Bon allez, je vais me coucher, ils vont crever avec leur connerie. Combien de puzzle mes couilles. Allez, au dodo. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Il se fout de ma gueule ou quoi là? Tu veux voir. Je crois que j'ai plus le choix là. Je crois que maintenant j'ai plus le choix. Hein. What's up boys, comment ça va? Bon bah c'est reparti pour un tour. Hein. On repart sur... Oh il y a un coin. Bah là on a quand même vu les choses en moins grand. Hein. Là c'est un 3000 pièces. Il fait quand même sa taille. Hein. Je suis un chouïa rassuré. Parce que je m'attendais vraiment à un truc plus grand. Bah ça va, ça me fait pas si peur que ça. De toute façon je pense que je vais reprendre toutes les mêmes étapes que la première fois parce que ça avait bien marché. Et après je vais trier par couleur, le zèbre, l'éléphant, le koala, la panthère rose. Honnêtement, j'ai pas encore commencé. Bah, de toute façon ça se voit, j'ai pas encore commencé. Je pense qu'on l'aura fini en moins d'un mois. Mais il faut que je trouve le temps de le faire. Parce que bah, j'ai plein de montages à faire à côté et... Et je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez vu, j'ai fait une. Comme la première fois, une petite table. Hein, j'ai mélangé du petit orange avec du jaune. Alors, par contre, je comprends pas la qualité du bois, ça ressort un peu vert. Tant pis, c'est pas grave. Celui-ci, je vais peut-être pas l'accrocher au mur. Parce que si je commence à faire des DM puzzles tous les ans, c'est bon, les murs de chez moi, ils vont être remplis de puzzles. Et c'est pas le truc le plus esthétique. Certes, ça rend fier quand tu l'as fini, mais c'est pas le truc le plus esthétique du monde. Je ferai bien évidemment, comme la vidéo, je ferai des petits updates. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, et bien cliquez sur le i là-haut. Tu cliques. La vidéo est dessus et tu passes un bon moment. On est reparti pour un tour, let's go pour un puzzle de 3000 pièces. Souhaitez-moi bon courage, bisous, bon visionnage. Enfin, mais pourquoi je dis au revoir? C'est le début de la vidéo. Je suis vraiment pas intelligent comme mec.
Ok, où est-ce qu'on en est? J'ai tous les bords de fait. Alors j'ai tous les bords, donc c'est déjà un bon point. Enfin tous les bords, il en manque juste un, mais il doit être par là-dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à trier les pièces. Vous voyez, genre là, j'ai un éléphant, enfin la girafe avec la girafe, le lion avec le lion, enfin bref. Le problème, c'est que, je vais pas vous mentir, je suis saoulé. c'est chiant, enfin, vraiment c'est chiant de tout trier comme ça. Du coup, la meilleure solution à faire, je pense, enfin moi en tout cas je vais faire comme ça parce que sinon ça va me saouler. En gros si vous voulez là, toc, j'ai une planche en bois. Donc du coup bah je vais faire comme la première fois. Genre je vais prendre un pâté, tu vois, que je vais toutes les retourner face à moi. Et puis pendant que je les retourne, si j'ai une pièce où je me dis ah tiens celle-là je sais où ça va, que c'est une que je cherche, ou même ça se trouve du coup je vais trouver le bord comme ça, et bah je vais pouvoir la trier en même temps. En gros je vais faire deux en un, je vais trier et ranger. Parce que là je faisais que trier. Des fois en fait si vous voulez, vu que c'est dans ma chambre, bah tu sais le soir avant de se coucher, je passe quoi 5 minutes, tu sais je trie comme ça, tu sais je retourne tout, je fais ok d'accord, j'ai peut-être le bord là-dedans, mais tu sais vraiment je ziote. Et en regardant de loin, et bah j'ai quand même réussi à faire quelques petits trucs. Bougez pas, je prends la caméra, je vous montre ça. Ah, genre là, quand je trie, tu vois je sais que ça et ça, ça va ensemble. Mais j'ai pas encore tout. Donc du coup bah je mets ça de côté. Et le trou il est là. Il manque une seule pièce pour relier de là à là. Voilà, donc là tout ça en gros, je vais mettre ça sur la planche. Et après du coup bah ce sera plus facile à trier. Et surtout ce qui me fait plaisir c'est ça là, regardez. J'ai commencé le flamant rose et une saute, un oiseau. En faisant que regarder. Pareil, regardez, vous voyez, j'ai fait des quelques petits... Je mets tout ça de côté quand je sais que ça va me servir. Donc voilà, donc plus qu'à trier bah, tout ça. Et après on pourra se lancer définitivement. Le plus dur c'est le départ. Et après une fois qu'on est lancé bah c'est parti quoi. Jour numéro... Je sais pas combien. Vous avez vu, j'ai retourné toutes les pièces. Et en vrai c'est vachement pratique. En gros on voit toutes les pièces. Comme ça par exemple, en gros si j'entame, je sais pas, un zèbre, et bah toutes les pièces qui ressemblent à un truc de zèbre, et bah je les mets de côté. Et après je commence à assembler. Et souvent j'assemble genre sur un petit calendrier. Et après je pose ça sur le puzzle. Du coup je vais vous montrer à l'avancée. Mais là vous êtes peut-être en train de me dire ah d'accord, en fait il y a quand même tout ça, c'est assez conséquent. Qui a dit que c'était fini? Mais c'est qu'il y a une deuxième couche on dirait. Bah ouais, tout passait pas sur la grande machine. Donc du coup bah j'ai mis ça en deux fois. Honnêtement c'est pas très très pratique. Parce que bah du coup tu cherches d'un côté et ça fout ta pièce et de l'autre. Mais de toute façon plus je vais avancer, plus j'aurai de place sur l'une des deux planches. Après je réunis tout, une fois que tout est devant moi. Et bah après c'est parti hein, ça ira super vite hein. Bah, du coup je vais vous montrer bah, du coup l'avancée des choses. Mesdames et messieurs, voici l'avancée du puzzle. Et là le trou en fait, normalement il y a un hippopotame dessus. Enfin dedans, enfin là, j'ai fait toutes les petites vagues un peu. Là, j'ai des petits oiseaux. Là, après, j'ai des trucs et tout. Enfin, bref, tout est petit bout par petit bout, quoi. On fait le boulot et puis, bah, ça avance doucement, mais sûrement. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais vous commencez à me connaître. Je sais pas filmer un mois entier. Bon, je dois être honnête avec vous, j'ai eu des problèmes. Il n'y a aucun DM qui se passe correctement. Pourquoi celui-ci se serait bien passé? Est-ce que je vais être obligé de vous avouer que j'ai filmé ma réaction en direct quand j'ai posé la dernière pièce de mon puzzle, mais que mon micro il est mort et donc du coup on m'entend pas? Zéro, pas de son, rien. Suis-je un clown? Oui. Bon allez, c'est cadeau, petit timelapse de moi en train de finir le puzzle. J'avais deux éléphants à faire, c'est trop mignon. Par contre ils sont tous de la même couleur, c'est ultra chiant. Bon, la réaction était beaucoup plus sincère, évidemment, en temps réel, mais bon, mon micro aurait pas lâché, j'aurais pas eu à faire ça, enfin bref. Là, c'était vraiment la satisfaction et la délivrance de poser cette dernière pièce, vraiment, sincèrement, vraiment. Bon, apparemment, vous avez été sage, du coup, petit aperçu du puzzle entier. Voilà, c'est cadeau, tu m'en remercies pas, frérot. C'est fini, je veux plus en entendre parler. Je suis désolé pour la qualité du son parce que du coup mon micro marche pas et j'ai toujours pas reçu le mien. Vous avez vu sur les côtés au début, ouais, jour 1, jour 15, jour je sais pas combien, enfin bref. La vérité les gens c'est que cette vidéo c'est un DM, d'accord?
Mais le DM, il a mal tourné. Pour la simple et bonne raison que j'ai commencé mon Pulse, premier jour où j'ai commencé à me dire « Ok, je me mets à fond dedans ». C'était le 13 mars. Et en fait, bah, j'ai pas que ça à faire. Contrairement au premier puzzle du premier confinement, j'ai plus de trucs à préparer. Donc du coup, je pouvais pas être à 100% dessus. C'est pour ça que ce puzzle ici présent de 3000 pièces. D'abord, je vais vous rappeler quand même que le premier, je l'ai fait en un mois de 5000 pièces. Et celui-ci de 3000 pièces, je l'ai fait en 47 jours. J'ai terminé ce puzzle le 28 avril. Et honnêtement, plus jamais. Vous l'avez vu, c'est cool, j'ai voulu faire... Vraiment, j'ai voulu faire le malin à faire le mec, genre en mode, la vidéo a bien marché. Enfin, je veux dire, c'est cool, c'est drôle. En vrai, c'était bien, ça m'avait un peu manqué d'en faire. Là, mon pote, ça m'a pas manqué du tout, genre... Ah, il m'a saoulé, enfin, il m'a saoulé, mais je suis quand même très fier du résultat, quoi. Je trouve qu'il est beau. Putain, il est magnifique, genre, je suis quand même content de l'avoir, voilà. Il n'y a pas que des points négatifs, mais juste... j'ai fait le malin, faut que j'assume. La satisfaction de le finir était plus grande cette année que l'année dernière. Bon, en tout cas, j'espère que ce DM vous a plu quand même. Je suis quand même très fier de cette vidéo, on va pas se mentir. Tous les DM, j'en suis très fier. Ce puzzle, j'en suis très fier. C'est vrai que n'empêche, ça rappelle un peu quand même le premier que j'avais fait. J'avais passé un merveilleux moment. Et là aussi, on va pas se mentir, on va arrêter de surjouer. J'ai passé un bon moment aussi à le faire. J'ai pris du plaisir, mais il était plus chiant que l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. C'était le dernier. Hein, je vais pas m'amuser à en refaire 1000 pièces ou quoi que ce soit. Parce que si on continue sur une série de plus ça, plus on descend, à la fin j'en ferai 1,50 pièces. J'ai la plaque de plexiglas, je vais faire comme le premier, je vais pincer les deux là de chaque côté. Et puis après je l'accrocherai peut-être au mur, je le mettrai peut-être de côté. Peut-être que demain, si vous allez voir sur Boncoin, le puzzle 3000 pièces autour de Rennes, vous allez peut-être le voir. On s'aide ça dessus, merci pour tout. Si ce DM t'a plu, si ce puzzle t'a plu, si cette vidéo t'a plu, tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes avec la cloche, évidemment c'est extrêmement important, d'accord? T'as intérêt de faire ça, ok? Tu partages, tu commentes, pourquoi faire ça? Parce que ça ne mange pas de pain. Ce puzzle, il mange pas de pain, mais il va se manger une grosse patate dans la gueule. Moi je te le dis direct.